Esta conferencia comenzará a grabarse. Bonjour à tous, merci beaucoup Pedro d'organiser cette réunion. Merci à la CCI. Bonjour à tous, je m'appelle Alban Derbez, je suis le responsable de BPI France sur l'Amérique latine. On a ouvert notre bureau en septembre 2019, donc c'est assez récent. Je travaille sur ce bureau avec Marie Desjonquières qui va vous présenter les solutions d'urgence mises en place par l'État et BPI pour aider les sociétés françaises. Alors très rapidement, sur BPI France. BPI France, on a deux actionnaires, l'État et la Caisse des dépôts. On a un statut EPIC qui est en fait un statut privé. Et nous avons trois activités. Les trois activités de BPI France pour aider les sociétés françaises à se développer sont le financement. Donc BPI France, c'est une banque. On fait des prêts moyen long terme aux entreprises pour qu'elles puissent se développer en France et à l'international, avec un focus particulier sur l'innovation. On est très présent pour financer l'innovation en France. On a un métier investissement où on prend des participations en capital dans les sociétés françaises pour les aider à grandir. On accompagne les sociétés françaises sur des participations minoritaires, les participations les plus connues, on va dire, qu'on gère par exemple les participations dans PSA pour le compte de l'État. Et on a aussi des participations dans des startups un peu plus connues comme BlaBlaCar, Doctolib, pour voilà, les aider à grandir, à se développer et à gagner dans la compétition internationale. Et le troisième métier de BPI France, qui est plus récent, qui date de 2017, c'est un métier international où on gère les garanties publiques pour le compte de l'État. Et donc là, on distribue beaucoup de produits comme l'assurance prospection, comme les garanties de change pour aider les entreprises françaises à se battre au niveau international pour gagner des parts de marché. Donc, la vocation de BPI France, c'est aider les sociétés françaises en France ou les sociétés étrangères, mais qui ont des sites en France. Et pour cela, on a mis en place avec l'État un plan d'urgence, pour faire face à la situation actuelle. Et maintenant, je vais laisser la parole à Marie qui va vous présenter ce plan d'urgence. Bonjour à tous. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les différentes aides pour les entreprises françaises? Alors, sachez que toutes ces aides, elles ont été mises en place en un temps record par l'État, BPI France et ainsi par la Fédération des banques françaises. Et ces dispositifs ne cessent d'évoluer. On rajoute tout le temps des dispositifs. Juste la semaine dernière, ils ont rajouté des dispositifs pour les sociétés françaises exportatrices ainsi que pour les startups. Toutes ces aides, elles ont été pensées pour subvenir aux besoins de trésorerie de nos entreprises françaises. Juste la semaine dernière, par exemple, Nicolas Dufourcq disait dans un entretien à la Croix que s'il fallait, ils adapteraient ces dispositifs. L'objectif du ministère de l'Économie étant vraiment zéro faillite, ainsi que de maintenir l'emploi des entreprises françaises le plus possible. Avant que je rentre dans ces différents dispositifs, j'aimerais juste dire et être clair que ces dispositifs doivent être faits depuis votre maison mère en France. Vous, en tant que filiale d'entreprise française en Colombie, on vous incite justement à regarder vos besoins, faire un business plan et d'identifier vos besoins en trésorerie, de remonter ces besoins à la maison mère qui, elle, fera la demande pour vous. Voilà, donc aussi, tout d'abord, avant de rentrer dans les aides faites par BPI France, il y a également d'autres aides faites par l'État, donc comme le chômage partiel, il y a les aides de 1 500 € pour les micro-entreprises ainsi que les auto-entrepreneurs grâce au fonds de solidarité. Vous pouvez également reporter les loyers, les factures, ainsi que faire un rééchelonnement de vos échéances de crédit auprès de vos différents partenaires bancaires. La plupart des partenaires bancaires l'ont autorisé pour une période minimum de 6 mois. Maintenant, je vais rentrer dans les différents dispositifs mis en place par l'État et opérés par BPI France. Donc, l'État a ouvert une ligne budgétaire de 300 milliards d'euros pour toutes les entreprises. Donc, comme je vous le disais, ces crédits, c'est pour financer les prêts de trésorerie et les autorisations de découvert. Le premier dispositif étant celui qu'on recommande le plus, c'est le prêt garanti État.
Pour pouvoir avoir accès aux prêts garantis État, c'est très simple. Il vous suffit d'aller voir votre partenaire bancaire. Vous allez vous mettre d'accord sur un montant qui peut être jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires, votre bilan de 2019. Vous aurez une demande d'attestation à remplir et en fait, BPI France viendra garantir à hauteur de 90% tous ces crédits. Donc, la banque n'aura plus que 10% de risque sur ces crédits-là. Tout ça pour un taux très faible. Après, il y a deux différents prêts mis en place par BPI France directement. Le premier étant le prêt rebond, qui est mis en place avec l'aide des régions. C'est pour les TPE, PME et ETI. Ça commence à partir de 10 000 euros jusqu'à 300 000 euros. Et c'est un prêt sans garantie, avec 12 mois différés et avec une période de remboursement de 3 à 5 ans, en fonction de ce que vous auriez décidé avec votre partenaire bancaire. Après, il y a le prêt à tout, qui est un prêt pour plus PME ETI déjà. Donc, c'est de 50 000 euros à 5 millions d'euros pour les PME et jusqu'à 30 millions d'euros pour les ETI. C'est les mêmes modalités que le prêt rebond, c'est-à-dire un prêt sans garantie, 12 mois différés et un remboursement de 3 à 5 ans. Après, donc, comme je vous le disais, depuis l'année dernière, il y a eu depuis la semaine dernière, excusez-moi, y a un plan pour les sociétés françaises exportatrices. Encore une fois, c'est des aides à demander depuis la maison mère, mais vous pouvez identifier vos besoins depuis votre filiale. Donc, toutes les différentes aides qu'on avait grâce à BPI France Assurance Export demeurent accessibles, que ce soit l'assurance crédit, les crédits acheteurs ou les prêts du Trésor et les FASEP opérés par l'État. Mais on a également assoupli les modalités d'autres dispositifs qu'on avait déjà chez BPI France Assurance Export. Le premier étant caution et préfinancement. Jusque-là, on garantissait à hauteur de 80% toute caution et préfinancement donnés par des banques pour des exportateurs français. Cette couverture est maintenant passée à 90% et la durée de validité pour les préfinancements est passée de 6 mois alors qu'elle était 4 mois avant. Deuxième produit, il y a l'assurance prospection. Donc, dans l'assurance prospection, je vais partir du principe que vous connaissez ce dispositif, mais donc dans une assurance prospection, les sociétés exportatrices avaient le droit à 2 ou 3 ans de période de prospection. Maintenant, on a décidé d'étendre d'un an cette période de prospection. Donc, maintenant, elle peut être de 3 à 4 ans. Tout ça, sachant que c'est ça, il y a beaucoup de salons qui ont été annulés cette année, donc peut-être reportés soit sur le S2 2019, soit sur le S1 2020. Donc, voilà. Et dernièrement, il y a le Cap France Export. Donc on a des accords de réassurance avec des assureurs privés comme Coface, Atradius, qui eux sont plus sur du court terme, alors que nous, notre assurance crédit est plus sur du long terme. Et donc, on a élargi à toute destination et on a également élevé le plafond de nos accords de réassurance. Donc, si vous avez des accords avec des assureurs privés comme Coface et qui sont plus frileux, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande. Et normalement, les plafonds ont été élevés pour que justement ils aient plus d'appétit envers des contrats commerciaux risqués. Dernièrement, il y a également un plan d'urgence qui a été annoncé pour les startups. Donc, les startups ont le droit à toutes les autres aides dont je vous ai parlé avant, donc le PGE, donc le prêt garanti État ou le prêt rebond. Mais il y a également un plan d'urgence exceptionnel de 4 milliards d'euros qui a été lancé pour soutenir les startups et pour des besoins plus adaptés aux startups. Donc le premier étant le French Tech Bridge. Donc, je ne sais pas s'il y a des startups entre vous, peut-être que vous étiez entre deux levées de fonds, mais à cause de la situation actuelle, les investisseurs ont mis un peu en stand-by cette levée de fonds. Nous, on peut venir financer le bridge entre ces deux levées de fonds. Il y a une enveloppe de 80 000
80 millions d'euros qui a été alloué par le programme d'investissement Avenir. Et nous, donc, on peut donner des tickets de 100 000 à 5 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles et de préférence cofinancées avec d'autres investisseurs privés. Après, il y a le crédit d'impôt. BPI France vient rembourser en accéléré tous les crédits d'impôt que vous auriez sur l'année 2019, que ce soit par exemple le crédit impôt recherche. Vous pouvez recevoir ces remboursements en accéléré ainsi que d'autres crédits sur la TVA. Et puis dernièrement, on continue à soutenir l'innovation. C'est pas parce que l'économie va mal qu'on va lâcher les startups. Donc on continue. On avait déjà un plan de 1,3 milliard d'euros pour ces startups. On continue avec ça et on s'engage également à verser en accéléré toutes ces aides à l'innovation grâce encore une fois au programme d'investissement à venir. Pour conclure, donc là je vous ai présenté assez rapidement ces différents dispositifs. J'espère que c'était clair et n'hésitez pas après pendant les questions de nous poser d'autres questions. Comme je vous disais, toutes ces demandes doivent être faites de votre maison mère située en France grâce au business plan. N'hésitez pas à leur communiquer, c'est ça, donc votre business plan, vos besoins en trésorerie, les problèmes que vous pourrez avoir sur votre pays. Et donc ça, faut le faire grâce à un formulaire en ligne. Mais d'ici là, Alban et moi, on est à votre disposition pour évaluer ses besoins, parler de différents dispositifs et voir quel serait le plus adapté à votre business model et à votre situation actuelle. Voilà. Je vois qu'il y a une question. Est-ce que vous avez juste un siège social basé en Colombie? Peut-être que vous pouvez mettre votre micro directement. Ah oui. Malheureusement, oui, pour le moment, Oui, on n'aide que les entreprises françaises qui ont un siège social en France ou des entreprises étrangères qui ont un site de production ou des filiales en France, comme le disait Alban en début de sa présentation. Oui, pour le moment, c'est que pour des startups françaises. d'accord, je vous remercie. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, on est à votre disposition. Après, bien sûr, vous pourrez également nous envoyer un mail, hein, il n'y a pas de problème. On est là pour répondre à toutes vos questions, mais c'est le moment ou jamais. Bonjour Marie, Romain Lehen, Bretagne Chimie Fine. Nous, on est succursale d'une entreprise française. On est déjà sous le mécanisme d'assurance prospection. Donc, j'ai bien compris que ça s'étendait d'un an, donc on va être sur 4 ans. Par contre, je voulais que savoir au niveau des paiements qu'on a en ce moment, enfin, sur les exportations qu'on a en Latam, on commence à avoir beaucoup de retard de paiement. On va peut-être avoir des défauts de paiement de la part de clients. Donc là-dessus, est-ce que BPI peut intervenir? Est-ce que vous avez des mécanismes par C'est rapport à sur ce des type de défaut de contrats paiement? que vous avez déjà conclus et qu'il y a pas de vous n'avez pas pris d'assurance crédit avant ça? Oui. Corrige-moi si je me trompe, Alban, je pense pas qu'on fasse de la. C'est peut-être que. Oui, mais ils ont déjà le contrat. Ils ont déjà signé le contrat commercial. D'accord. C'est vrai que si c'est pour les contrats que vous avez déjà signés, je pense que c'est un peu. Ça va être difficile, mais pour les prochains contrats, ce qu'on vous disait, il y a le CAP France Export. Je vous invite à vous rapprocher des partenaires comme Coface, Atradius ou d'autres assureurs privés qui pourraient assurer ces contrats et nous, on pourrait réassurer ces contrats-là. Ok, je vous remercie. Pas de problème. Pour les entreprises colombiennes qui sont des startups, vous pouvez accéder à la Línea Crédito Impulsa. C'est le message de la Chambre de commerce franco-colombienne. Bonjour Jean-Luc Chaillet, juste vous demander concernant les crédits acheteurs, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des assouplissements ou des évolutions?
sur les modalités? Pour le moment, pas encore, mais comme je vous disais, c'est vraiment les dispositifs changent constamment. Là, les dispositifs export qui ont été annoncés, ça a été annoncé juste vendredi, donc je pense que ça tardera pas à venir sur les prochains, sur les autres produits. On l'espère, mais sans, bon, sans promesse, mais on vous tiendra informé, bien évidemment, si c'est le cas. Alors, juste, j'interviens juste sur la question. Si jamais vous avez des propositions à nous faire sur l'assouplissement des crédits acheteurs ou fournisseurs, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail pour qu'on les étudie et qu'on les fasse remonter. On est très, très preneurs de vos propositions d'assouplissement et notamment sur les cas particuliers que vous pourriez rencontrer. Donc ça, n'hésitez pas à nous faire remonter. On est derrière vous à fond. Et tout ce qu'on peut défendre pour assouplir, on le fera. Merci bien. Encore une fois, notre adresse mail, c'est ça, communiquez-nous ces besoins-là et nous, on les fera remonter à notre direction pour qu'ils puissent en prendre note et peut-être assouplir, c'est ça, c'est les crédits acheteurs, l'assurance crédit ou autres produits qui, pour le moment, n'ont pas été assouplis. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir toute problématique que vous avez sur votre zone. Hein. Peut-être que nous aussi, on identifiera des besoins en fonction de ces problématiques-là, si vous n'avez pas directement une solution à offrir. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Et puis, on espère vous voir lors d'un prochain déplacement en Colombie. Merci Alban, merci Marie pour votre intervention et bon, s'il n'y a plus de questions, et voilà, en tout cas, ce webinaire a été enregistré, ça sera disponible sur le site de la CCI France Colombia, www.france-colombia.com et bon, je sais pas Alban, si tu veux dire un dernier mot. Un grand merci à tous pour votre participation. Comme l'a dit Marie, on est à votre disposition, n'hésitez pas. C'est un moment très difficile pour vous, on en est conscient. C'est pour ça qu'on ne vous lâchera pas, quoi qu'il arrive. Si on peut se battre pour vous, défendre vos dossiers en France, vous apporter des solutions innovantes, on n'hésitera pas à le faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. On vous répondra, on vous rappellera et on essaiera de vous trouver des solutions. Un grand merci, bon courage et Et n'hésite pas à envoyer cette présentation à tous ceux qui étaient présents et à tous les membres de la Chambre de commerce. Elle est diffusable. voilà, merci beaucoup, bonne journée à tous et à votre disposition. Merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup, au revoir.